Ce sont les chrétiens de Jamus, défilant chaque année le vendredi saint dans les rues de la ville. Catholiques et protestants suivent le calvaire de Jésus devant une population au mieux curieuse, au pire indifférente. On oublierait presque que nous sommes dans la région la plus explosive du globe. Entre hindouistes, musulmans et sikhs, les chrétiens entendent montrer ainsi qu'il faut compter avec eux, minoritaires et déterminés. L'image se veut aussi symbolique. Nous sommes musulmans et ce sont nos frères qui croient en l'humanité, appartient à la bonne religion. Voilà plus d'un siècle que les missionnaires catholiques, d'abord anglais puis indiens du Sud, se sont installés au Cachemire, se fixant dès 1947 dans les zones les plus sensibles afin d'apporter une réponse humaine au conflit indo-pakistanais qui à ce jour a fait des dizaines de milliers de morts, pour la plupart des civils. Peter Celestine est l'évêque du Jammu et Cachemire. Il se considère lui-même comme un missionnaire. À bord de son 4x4, il sillonne à longueur d'année les différentes missions de son diocèse. Une trentaine en tout, réparties le long des frontières, dans la vallée du Cachemire et au Ladakh, en plein Himalaya.